Oui. Bon. Assassin's Creed Origin. Allez, on débute tout de suite. Voilà, j'ai pas beaucoup parlé. Je vais pas faire un let's play non plus, faut pas déconner. C'est juste faire la découverte avec vous sur YouTube et en direct. Voilà. Donc, je vais lancer le jeu. Et bah, dès la première cinématique, déjà, je vais couper mon micro. Je vous laisse profiter un peu. Et je rebrancherai mon micro pour découvrir un peu le jeu. Allez. Et parti. Hein? Ah. Ah! Si vous décidez de télécharger un pack linguistique audio, vous pourrez continuer de jouer pendant son téléchargement en arrière-plan. Vous serez avisé à la fin de son téléchargement. Honnêtement, je m'en fous. J'ai bien envie de laisser en anglais. Ah d'accord, c'est comme ça que... Ah ouais, oula. Français, est-ce que... Bon, je vais quand même voir pour voir la qualité du... La qualité de la France. Ah, vous voyez rien, c'est normal. C'est le pack qui se met. Merci de patienter, j'attends. Pack audio français. Alors voilà, pour information, ça fait 560 mots, voilà. Donc même si vous avez une faible connexion, ça devrait aller assez vite. 500 MO, ça se fait. Si vous avez pas la D... si vous avez juste la DSL, je pense que 500 MO, ça se fait quoi en une demi-heure, je crois, peut-être, je sais pas. Enfin, je sais pas, je m'en souviens pas. Enfin bref, allez, hop, retour au jeu et go. Bah alors, pas? Ah non. Non? Continuer? Ah oui. Régler la luminosité. Alors je vais augmenter un tout petit peu parce que quand même là c'est un peu abusé. Alors, là ça me paraît bien. Alors, très bizarre de se déplacer comme ça. Magasin, option, rien voir, option vite fait. Ok, luminosité c'est tout. Gameplay. Pré-réglage HUD. D'accord, ça c'est bien, au moins on peut les afficher tout, ou alors on peut vraiment mettre le minimum sur l'écran, ça c'est bien. Dégâts de combat, oui. Effet de sang, oui. Aide à la visée partielle, on verra ce que ça fait. Photo, oui. Audio, volume, musique, machin, complète, langage. Ça a l'air d'être bon, langue. Langue des menus français, langue des dialogues, oui. Langue des sous-titres français, bon au moins voilà, si c'est en anglais pour le moment. Le temps que le pack français se télécharge, on peut quand même comprendre en français si jamais on galère. Arrière-plan des sous-titres. Ouais, non, on va éviter, ça fait tout moche. Et les commandes, bon bah ça m'a l'air d'être bon, hein, tout ça. Allez hop, on démarre. Alors, ah bah jouer, hein. Ouais, forcément. Mettons normal. Maintenant pour une nouvelle partie. Ah. Alors, une fois le téléchargement achevé, vous accéderez à l'écran titre, la nouvelle langue étant activée. Il sera aussi possible d'appuyer sur X pour continuer à jouer dans la langue actuelle. Vous serez avisé à la disponibilité de la nouvelle langue Taras. Allez, profitez-en. Je ferme ma gueule.
Magi from Siwa. I thought Magi was supposed to protect the Pharaoh. I am Magi to no Pharaoh. You see this? I can read my own name, Nat! We will find you. We will find you in your sleep! Sleep. I never sleep. I just wait in the shadows. And I will kill you all! Everyone who sniffed the air that day in Siwa! My master and left me for dead. That was a mistake. Your master was a man. Alors pour bloquer, ouais, puis sur L1. Ok. Une attaque légère, R1. Très bien. C'est le Magic Dream. Ouais. Ah oui, mais je veux bien attaquer, mais il m'attaque tout le temps. I would be proud to have fought the lamb. Oula. Alors on verrouille pour percer le bouclier R2. Ok. Let us call truce. You are not the one I sworn to kill. Question of honor. Oh merde. Carré pour esquiver. Ok. Je le bourre, rien à foutre. Pour libérer un pouvoir spécial R1, R2, d'accord. Si, c'est fini. Ok, alors pour information, on est sur PS4 normal, on n'est pas sur PS4 Pro, c'est PS4 normal. Hein. Maintenant, pour utiliser l'impulsion de l'animus et trouver des objets cachés. D'accord. These scarabs must be coming from somewhere. Ah, c'est les oh là, c'est mal fait. Les scarabées de la momie. Pour prendre une lampe torche, maintenez. D'accord, ok. Bon, on n'a pas besoin d'allumer, bon, ok.
En tout cas, le jeu pour le moment est fluide, ça va. Sauf les cinématiques qui sont un peu saccadées, franchement, j'ai eu peur au début. Mais là, quand on joue, ça va, c'est assez fluide, hein, franchement, ça va. Ça va, c'est plutôt joli, mais bon, par contre, ça. C'est pixelisé à mort, là, ce qu'on voit sur le mur, putain. C'est beau! This must have been built centuries upon centuries ago. Ok, il y a des coffres. Récupérer. Encore plus 3 sous. Forgive me, Great Amun. I have need of this. D'accord, donc on pylore. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? Attends, non. Oui, bon, je commence à avoir compris, sauter par-dessus. On peut me dire à chaque fois de sauter par-dessus quand même. J'espère que c'est qu'au début, sinon je vais devoir désactiver les affichages. Alors attends. Attends, y a plein d'endroits pour pouvoir où passer en fait. J'ai peur d'oublier quelque chose. Je prends mon temps, hein, je ne rush pas. Désolé, c'est comme ça. Ce jeu, je l'ai attendu, hein, donc forcément, je prends mon temps. Oh, c'est joli. Ok, ça c'est bien parce que du coup, bon, on ramasse les trucs vite fait et on passe pas 40 ans à escroquer. Ah, parfait, il le fait tout seul, ça c'est bien. Ouais, on passe pas notre temps à voir le personnage se baisser pour récupérer quoi que ce soit. Ah putain, mais tout le pognon qu'il y a là! Mais est-ce qu'on est obligé de faire ça pour ramasser? Ce serait un peu chiant. Ah non, on n'est pas obligé du coup. On n'est pas du tout obligé de faire le scan pour du coup pour ramasser les choses. Ok, ça c'est bien. Mais par contre, putain, c'est. Il faut le voir, ouais. Si tu scannes pas, putain, faut vraiment fouiller partout. Alors. Où est-ce qu'on est là? Ah, on est peut-être revenu au début, non? Ah ouais, on est revenu. Ok, cool. Très bien. Alors je vais aller sur ce truc là. Les trucs là-bas, là-bas. Par contre, j'ai pas compris où est-ce qu'on en était vraiment dans le temps en fait. Si on est avant les événements ou après. Parce que là, bon. Il a une barbe, les cheveux longs. Rien ici. Voilà. Waouh, mais y a tellement de trucs.
Parce que attends, si je reviens là, c'est par là où on vient là. Ouais, c'est ça. Tout se converge. Allume-moi ça là. Tiens. On ramasse aussi d'autres éléments, j'ai vu. Alors je sais pas si c'est parce que ça donne plus de pognon ou si c'est parce que ça va nous permettre de crafter des trucs, je sais pas du tout. J'avoue que j'ai fait exprès, putain c'est mal fait. Waouh, la toile d'araignée était vraiment très pixelisée. Hein. J'espère vraiment que sur console Pro ou X, je ne sais quoi de mes couilles, ça sera mieux fait. Hein. Il s'est mis accroupi tout seul, j'ai pas compris pourquoi. J'avais pas fait gaffe qu'on avait un pointeur. En fait, du coup, ça reste pas tout le temps. D'accord. Quand tu scannes les trucs, en fait, faut rescanner un peu par derrière. Si tu veux pas louper, sinon ça disparaît en fait. Je pense que je vais laisser les voix en anglais parce que. Enfin, en tout cas, la cinématique de début pétait vraiment, franchement. Après, je dis pas que la version française est moins bien, mais bon, généralement, c'est toujours le cas, mais. Je sais pas. Je vais voir. Pour le moment, la VO me paraît très très bien, franchement. Bon, j'ai rien zappé, parce que moi je suis un maniaque. Hein. Il me faut tout. Ok, bon par contre, comment tu te relèves? Ah ok, comme ça. Bon là, il n'y a que dalle. Là. Bon, ça va assez vite hein, quand même pour prendre les objets, heureusement. Bon, du coup, je suppose qu'il faut aller là. Comment je suis posé? Ok, je crois comprendre. Est-ce qu'on peut courir? Alors ça, ça. Est-ce que si j'appuie sur le joystick, non, ça fait rien du tout. Non, je peux pas courir, je sais pas. Peut-être plus tard. Il y avait quoi en bas là? Ça dépayse tellement de voir un peu l'Égypte quand même, sérieux. C'est vraiment beau hein, quand même. C'est pas une claque graphiquement ce jeu, mais de ce que je vois, mais c'est surtout en fait artistiquement c'est vraiment joli. Up there. Light. Ok, on peut lâcher la torche comme ça. Est-ce qu'on peut la récupérer après? Fais voir. Ah, on peut quand même la reprendre. Ok, ça c'est bien ça. Faire un truc style à la Indiana Jones. Genre, il y a des scarabées en bas et puis tu l'as. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Pas que la linguistique audio français a été ajouté. Ouais, mais non, finalement, parce que j'aime bien la VO, donc non. Pour le moment, non. J'essaierai peut-être plus tard, mais là, non. C'est une paroi endommagée. Ouais.
c'est des méchants, ouais. Ok, 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 attends. Ah, c'est ma barre de vie en bas. Oh là là, faut que je fasse vachement gaffe en fait. I see you have made new friends. They were setting up an ambush. It's a good thing I came to welcome you, huh? It's been months. Look at that beard, huh? It's been nearly a year, my friend. Feels good to get out and fight. I am out of practice. In Siwa, everyone differs to the soldiers on pain of death, or worse. I've killed one of the masked ones. The Heron. Four more. Come. It has been a long road. You need rest? No. No rest. Not until all the masked one's guts lie baking in the sand. God, I have missed you. Les cinématiques rament, c'est incroyable. Mais le jeu rame pas quand tu... Enfin, visiblement, pour le moment, ça rame pas quand t'es... Quand t'es en jeu, en fait. Ah, mon chameau. Oh là là, calme-toi. How have you been holding up since I left? Ah, it has been difficult, Dayak. Without you, the villagers look to me to keep order. But the soldiers have set up a garrison and they rule over us. Non, le jeu rame pas, hein. Pourtant, je suis pas sur PS4 Pro, hein. A garrison in Siwa. Ptolemy wants the entire region kept under heel. I do my best to keep the villagers out of trouble. I could use your help. I'll do what I can. But do not forget, I have my own justice to pursue. Ah, I knew I could count on you, Sammy. Les voix, c'est bizarre, on dirait qu'elles sont étouffées. Je sais pas si c'est un bug ou... The garrison soldiers are brutal. If they suspect the villagers lying to them, they burn this neighborhood. And worse. Il y a des trucs des fois ici à ramasser, non? Non. Voir un peu le dromadaire. Il est bien fait, hein. Ils ont fait une bonne motion cap. Allez, bon, 2 secondes. C'est beau, c'est beau. Oh bordel de merde! Par contre, je trouve le son vraiment faible, c'est ouf! Vraiment, hein! Ah tiens, fais voir la carte! Comment on dézoome? Ah! Donc la map, c'est tout ça! Ah oui, quand même! Quand même! C'est. Ah oui! Mais là, je pensais pas que c'était si grand que ça quand même, je m'en rendais pas compte. Surtout que voilà, pour... elle est vachement bien faite la map, je trouve. Elle fait une espèce d'effet 3D. Genre en fait, on a fait ça. Voilà. On est tout petit. Très bien. Par contre, comment je fais? Option peut-être. Non. Comment je fais, bordel de merde? Cible, oh là là, je comprends rien, c'est tout ça. Bon, j'en sais rien. Putain, c'est où les... Ah, menu. Option. Pourtant, j'ai la télé. Attends, elle a combien la télé? Je suis à 25, quoi. Bon, c'est moi qui deviens sourd. Boost des dialogues, tiens. J'étais à 0, je vais mettre à 15 voix.
Dynamique audio. C'est quoi ce qu'il veut dire par dynamique audio? Ah. Je crois saisir un peu. On entend bien plus la musique quand on met en mode nuit. Je sais pas, j'ai l'impression que le mixage audio par contre c'est vachement fait pour du 5.1. Faudrait peut-être que je branche mon home cinéma, mais bon, on verra plus tard. Children, you owe your very lives to His Highness Ptolemy, the benefactor, ruler of the two lands. The villages are drained of life. Do my eyes deceive me? Oh là là, il renverse des gens, lui, attention. Putain, mais y a du monde, eh. No one in the Wyhacks could make a move without being questioned, threatened, taxed, or beaten. We all have learned to obey and keep our heads down. You see how it is. Let's not attract attention. Are you going to go to your house? Nothing there for me. Tell me about the Ibis. Medunamun. Is he here? He is the plague on... Ah, home. Leave your mouth, you will not stray far. Mais comment je descends? Ah. Quoi, suivre route? Qu'est-ce qu'il fait? Où tu vas? Ah, où tu vas? Au secours! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non! D'accord, on a l'espèce de pilote automatique à la Far Cry 4. Salut Guillaume Attel. Comment ça va? Alors attends, comment je... Voilà. Merci. Rest, my friend. It has been a difficult day. I have no interest in rest. I must prepare for this man. Hepzibah! Hepzibah! Once again, the soldiers! Payek! Rabia! My Rabia! I am worried about you. Ah, you know me, eh? You should be worried. Ah. Look at you! Cuts? Contusions? I'm fine. Sit! Hmm? Sit! Sit. I'll take care of it. You haven't changed. You and I, I've always patched you two up. Made excuses to your parents. Times have changed. But you, I can count on. Il est swag avec sa barbe quand même. J'aime bien. Slumbering Osiris. I thought you would never wake up. Ah, Rabia patched me up and I just... I let you sleep. You need to be alert to tangle with Medunamun. In fact, my friend... A new bow? See if you like it.
C'est ouf comment les cinématiques rament du cul, quoi. C'est pas non plus illisible, quoi, mais ça rame, quoi, tu le vois, quoi, sur les cinématiques. Mais quand tu joues, ça rame pas, c'est bizarre. Alors, je suis sur PS4 normal, encore une fois, mais... Mais c'est bizarre. Oui. Ah, donc du coup, comme ça, tu vois en temps réel les dégâts que tu fais. Ok, si je vise dans les bras ou le torse, la tête... C'est vraiment bien, ça. One of the dummies is dead yet in the other. More arrows in the rack over there. Good. Hepzibah! What is it? Soldiers are coming for you! Go! Come, quickly! Make certain no one gets out of the house alive. Hepzibah! We're just here to talk! Nomark Rudjek's been killed. Your friend, the Magi, may have been involved. Come out, if you wish to clear his name. Oui, oui, j'imagine bien. Je pense que demain il y aura le patch qui sera sorti. Peut-être aujourd'hui, mais je pense pas aujourd'hui quand même. Tuer les soldats. Attends. Ok, un ennemi vous a détecté. L'ennemi va approcher et enquêter. Pour s'accroupir ou se relever. Oui. Merde. Lorsque la barre est jaune, vous disposez d'un peu de temps pour éliminer l'ennemi avant qu'il vous attaque. Ok. D'accord. Ok. Pour siffler, ok. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah merde, j'ai pas vu qu'on pouvait récupérer des trucs. Mais en fait, il... Ok, on l'a juste... On l'a pas tué. On l'a juste pincé les couilles, et c'est tout. Attends, mais ils sont où? Je sais pas par où passer. Ah ok, j'avais pas vu que c'était les triangles, les ennemis, ok. Bizarre ces voix un peu au ralenti, je sais pas si le temps est ralenti en fait. Attends, il en reste un ou quoi? Retournez voir. Ah non, c'est bon. Pourquoi les voix sont comme ça? Thank you, Maya. I told you these Nakatiadets do not care. I cannot believe they're gone. It is sad. Come upstairs. I will show you all the Magi duties at Siwa. Petit problème de mixage audio.
I try to help everyone, but it is more than I can do. So you are telling me you do not have the powers of a god? But the real problem is that man you want to kill. Majinomon. The people were hopeful when he first arrived. Surely things would improve. We soon learned the truth, actually. I fear for the safety of your family, priest. I will move them to a more secure area. That is the man you're up against. I will find him and kill him. Majinomon is a lot more powerful than he looks, and he is surrounded by the finest soldiers. I do not care. You'll be killed. You need to get tougher if you want to murder that spindly shit. For sure, you'll need better armor. I can make that myself. Weapons are more difficult. The soldiers took everything in the village. I will talk to the blacksmith. Yes, Benipe can certainly make something for you. Or Senu can help you find what you need. Senu? Senu is alive. Look who is coming. Senu, old girl. In fine form. Rabia has nursed her to health. I must thank her. The people are desperate for your help, Bayek. They'll help you if you help them. I understand. Je trouve ça cool d'avoir un aigle, mais j'aurais aimé avoir un chat. Surtout qu'en plus en Égypte, les chats c'est assez sacré. Un point d'aptitude et tout, niveau supérieur. Ça c'est bien ça, c'est bien qu'ils ont fait ça. Le nouvel oracle, maintenir pour suivre, ok. J'ai pas vraiment envie de... Voilà, il y en a plein de nouvelles quêtes, préparation. Bon, je vais faire ce qu'ils disent là. Nouvelle quête, ah ok, il te suggère quand même, mais tu peux quand même le faire, ça c'est bien. Niveau 5, niveau 2, cool. Toute principale, annexe, événement, terminé. Ok, c'est plus ou moins clair, c'est bien fait. Tant mieux, parce que franchement j'avais pas que ce soit bordélique, justement. Ok, c'est très bien. Ah putain, on est obligé de faire un truc là. Bon, on va faire préparation, hein, on va faire dans l'ordre. Fabriquer une cuirasse. I need to hunt for leather. Il me faut des peaux. Allons faire des peaux. Ouais, ça aurait été bien de faire des chats. Je trouve que ça aurait été une bonne idée, justement. Putain, vraiment, c'est bizarre, ça. Putain, faut vraiment qu'il fasse un patch pour corriger ses voix, parce que c'est... T'as l'impression qu'ils sont vraiment en studio en train d'enregistrer. Les voix sont étouffées, quoi. Et dans les cinématiques, non, mais là, ouais. Alors... Quête disponible, comment ça? Radeau. Des bandits se sont emparés d'une source importante et font payer l'eau aux paysans. D'accord. Retrouvailles familiales. Un dénommé Tarimun est retenu avec d'autres pour avoir protesté. Bon, écoute. Parce qu'en fait, ça, c'est des trucs, c'est des quêtes qu'ils nous proposent ici, c'est ça? Donc, je vais tout accepter, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux? Freshwater spring in the Amanai cave. I know that cave. Better look into it. Deux quêtes ajoutées. Tarimun. Not like him to give up. Alors, donc là, du coup, là, j'ai en préparation. Donc, préparation, fabriquer une cuirasse. Donc, j'ai 0 sur 5 pots. Il faut une cuirasse nécessite un cuir souple. On peut en obtenir à partir de certains animaux. Voilà, mais c'est tout. On ne dit pas grand-chose. Alors, ça veut dire quoi, ça? Voilà, du coup, j'ai accepté les quêtes, elles sont ajoutées dans ma liste de quêtes, mais je les ai pas encore sélectionnées, donc du coup, je ferai ça plus tard. Mais ça, faut savoir les animaux, ça. Faut trouver les animaux. Ok, ok, ok. On va visiter un peu. J'ai envie de visiter un peu. Pour appeler Senyu afin de trouver d'autres ingrédients de fabrication. Ah... Ok, à l'aide de R, amener le réticule sur cuir souple. Comment ça? Comment ça cuir souple? Où?
Ah, non, ça c'est pas une cuillère souple, ça. Si? Non, c'est chasse. Ah merde, je le vois pas. Ah si, là-bas, il y en a plein. Oh là là! Est-ce qu'on peut en marquer plusieurs? Non, on peut pas en marquer plusieurs. Bon. Ok, très bien. Et du coup, je peux diriger l'aigle aussi. Cool. Par contre, faut pas trop bouger parce que sinon le jeu est assez illisible. Il y a du clipping un peu. Hein. Mais bon, je pense que ça doit être mieux sur. Sur. Comment dire? Mode stationnaire. Ah oui, d'accord. Pointe de vitesse. Ok. Comment je retourne par contre? Ok. Ouais, je pense que ça doit être quand même vachement mieux sur PS4 Pro ou Xbox One X et peut-être que ça sera mieux aussi après une mise à jour. Bon, allons voir, qu'est-ce que c'est que ça? On fait cette quête-là, après j'arrête et je relance vite fait le live et puis ce sera fini, je continuerai de mon côté. Est-ce qu'il y a des trucs ici, tiens? Qu'est-ce qu'il me dit, lui, si j'approche, là? Je crois qu'on n'a pas le droit de passer. Le temple de je sais pas quoi. On verra après. Même notre personnage, quoi, c'est bizarre. On dirait que la voix est au ralenti quand il chute et tout. C'est trop chelou. Mais... Oh! Est-ce que je peux le buter, ça? Merde! La batterie est faible. Ah! Putain, c'est dur! C'est bon, j'ai eu. Ils ont repris l'idée de la chouette drone dans Far Cry Primal. Ouais, je sais pas, c'est. Parce que c'est vrai que j'ai pas joué à Far Cry Primal, mais je. Ouais, j'avais entendu parler qu'on pouvait diriger les ours, les machins et tout, il y avait plein de trucs avec les animaux. Ah. Et des petites biches. Donc là, si je fais dans la tête, c'est headshot direct. Paf! Oh! Et là, saloperie! Oh, merde! C'est barré. Où sont tes copines? Alors attends, tiens d'ailleurs. On va appeler le drone. Ah mais non, mais c'est pas toi que je voulais appeler, non! Comment c'est déjà l'aigle? Comment? Ah non! Non? Ah voilà, c'est flèche du haut. Ok, elle revient vers nous. Il y en a d'autres là-bas aussi. Il y en a plein. Ouais, il y en a plein, c'est une zone, hein. C'est la zone aux biches. Putain, mais ça galope ces merdes. Ah merci. Bon du coup on va se balader à la chasse de la biche. Ne bouge surtout pas. Ah merde putain la portée de merde. Ah par contre ça l'a tiré tiens disons. Attends est-ce que si je vise un peu plus haut. Ah oui ça marche. Il y a l'inertie, ça c'est cool. En tout cas, en termes de gameplay, il a l'air d'être bien plus étoffé que les autres. Façon, le dernier en date que j'ai joué, c'était Black Flag. Enfin, que j'ai vraiment aimé. Hein. Parce qu'après, je crois que le dernier que j'avais acheté vraiment, c'était Unity. Et Unity, je l'ai revendu au bout de 2 heures de jeu. Tellement que c'était injouable. Mais là, clairement, c'est pas
C'est pas du tout la même chose en termes de gameplay. Hein. Parce que même la chasse dans Black Flag, je trouvais pas ça génial. Hein. Là, ça a l'air d'être bien mieux. C'est quoi, c'est de gros boucs, ça? On va tuer une biche déjà. Alors, est-ce qu'ils attaquent? Ça a pas l'air. Ok, c'est bon. Thanks to Neith, goddess of hunting. Ok, c'est bon. Alors, par contre, comment je fais pour démarquer ça là? Est-ce que je peux l'enlever? Je peux pas l'enlever? Placer marqueur. Ah, c'est bon. Ok. Le machin là. Il vient le dromadaire? Première, tu curas rejoindre la sélection fabrication de la page d'équipement. Ok. En fait, ça directement sur place, très bien. Ça doit être ça, sûrement, fabrication. Cuirasse, voilà. Réduire nécessaire. Augmente de la santé. Ok. J'ai une meilleure cuirasse. Alors, j'ai pas vu si ça fait vraiment une différence sur notre perso. Je crois que oui. Mais j'ai pas fait gaffe. Comment tu as trouvé l'IA dans ce jeu jusqu'à présent? Honnêtement, je peux pas vraiment te dire parce que j'ai eu très très peu d'ennemis, vraiment. J'ai eu qu'une phase de combat, je peux pas te dire, voilà, c'est vraiment... Là je suis quoi, un quart d'heure de jeu peut-être? Vraiment de vrai jeu, hein. Je peux pas te dire, voilà. T'as vu la même chose que moi pour le moment, on va dire, quoi. Je pense qu'on... Bah tiens, d'ailleurs, on va aller voir ça. Le truc qu'on a découvert, là. Allez, you! On va essayer d'aller voir l'espèce de temple qu'on a découvert, justement, s'il y a peut-être des... un peu de combat à faire et voir un peu l'exploration. Ça dépayse vraiment de voir un paysage comme ça, putain. De voir l'Égypte, bordel. Et je veux voir les pyramides. Bah à mon avis, je pense pas qu'on puisse les voir de là. Je vais voir si je prends l'aigle là. On peut quand même. Est-ce qu'on voit des pyramides au loin, tiens donc? Ah putain, on voit même carrément là où on a commencé le jeu, donc là-bas quoi. Il y a quand même une bonne petite distance d'affichage, c'est pas ouf mais on voit. Je sais pas si c'est une statue ça là-bas. Ah, là-bas il y a un point où on peut monter carrément. Oh, j'ai bien envie d'aller faire ça. Oh, j'ai trop envie de faire plein de trucs. Oh, il y a un village aussi en haut. Ah putain, ça me donne trop envie de tout explorer. Ah, c'est ouf. Bon, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non. Mais d'abord, on va faire ce que j'avais dit, sinon je vais jamais m'en sortir. Ah oui, clairement. Hein. C'est vrai que là, ils ont vraiment bien choisi l'époque. Et ça a l'air d'être vachement bien respectueux. Enfin, de toute façon, généralement, quand même, Ubisoft, dans les Assassin's Creed, ils sont quand même très respectueux au niveau des époques. Dans tous les Assassin's Creed qu'ils ont fait, quoi. Ils s'informent beaucoup... Comment je fais, putain, voilà. Donc du coup on peut rentrer là. Ah mais y a plus le mec, tiens. Donc là visiblement j'ai pas le droit vu que c'est rouge, enfin je pense que c'est ça. Piller trésor, il y en a 3. On va scanner un coup. Alors. Par contre, je sais plus du tout comment on allume une torche. Comment on allume une torche déjà? C'est pas R2? Non, non, putain, non. Je vais appeler le dromadaire comme un con. Flèche de droite. Ah, c'est tout ça. Non! Ah, voilà. Quand je me dis que des trucs comme ça, c'est... Enfin, un peuple, tous les monuments comme ça a été...
perdu, quoi. C'est ouf. Ça a vraiment disparu. Oh là là. Oh là 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 là. Il est niveau 4, on voit. Moi, je suis niveau 2. Ouch. Alors, on le verrouille. Oh putain. Oh vache. Putain, le sang est bien fait. Oh la vache, il met tarif. Putain, on sent vraiment qu'ils sont durs, hein. Oh. Ok, c'est bon, je l'ai niqué. Oh, il m'a mis tarif. Alors, on peut du coup quand même toujours transporter les cadavres. On va déposer ça là. C'est bien fait, c'est le sang. Je trouve que le sang est mieux fait qu'avant. Hein. Est-ce qu'on peut prendre les armes? On peut pas. Peut-être pas pour le moment, peut-être, mais ça me fait un peu peur, ça, quand même. Comme pour Unity, un historien canadien a travaillé sur le jeu. Oui, oui. Et dire que les frères musulmans, un parti extrême en Égypte, a voulu raser les pyramides. Bref, je comprends pas, quoi. Il y a des trucs comme ça, tu comprends pas. Sur l'être humain est un peu chelou, hein, quand même. Bon, alors il vient de là, le gros, là. Le temple d'Amon. En tout cas, clairement, on n'a pas les dagues d'assassin, on n'a rien du tout, c'est vraiment à l'ancienne. Putain, c'est beau. Un petit secret. Granit. Alors je connais pas du tout tout, enfin avant j'étais très passionné d'Egypte quand je l'avais étudié ça, il y a au moins 15 ans, même plus que ça, que j'avais étudié l'Egypte au collège. Je crois que lui ça doit être Osiris, je crois, il ressemble un peu. Je sais pas si c'est... Oh, je sais pas, franchement je m'en souviens plus du tout. Des dieux d'Egypte, etc. C'est beau, hein. C'est chouette de voir ça, ça dépayse tellement dans le jeu vidéo. Est-ce que... Attends, comment... Voilà, je voulais voir si... Ah oui, on peut péter les trucs. On peut vraiment tout péter, ok, ça c'est cool. Par contre, notre personnage, il fait vraiment un bruit chelou, quoi, on dirait un orgue. Un ogre, pardon, pas un orgue. C'est beau. C'est beau. I want to question them all. Of course, my lord. I require absolute silence when I work. Of course, my lord. Beg pardon, my lord. Never again, my lord. Merde, y'a un mec. Qui c'est qui me voit? Ah, lui là-bas, ok. Oh, mais ils sont tous de niveau ouf là, hein. J'ai crevé ici. Oh putain!
Et c'est quoi ces voix là? Putain, c'est au ralenti, c'est chelou ça. As-tu joué à Egypte, un point and click? Oui, j'avais joué à ce jeu, j'avais énormément aimé, qui était très bien fait d'ailleurs pour l'époque, j'en souviens. Mais moi, il m'avait vraiment. Je trouvais vraiment, mais très très bien fait. Hein. C'était sur PC que je l'avais. Et d'ailleurs, je l'ai fini, j'en avais chié, parce que je sais que les énigmes étaient vachement dures, j'en souviens. Et je me souviens de ce jeu, il était vraiment bien. Complot à cour du roi. Alors par contre non, oui, Versailles, je l'avais pas fait, je m'en souviens de Versailles. Je crois que mon père l'avait, il me semble, comme Atlantis ou... merde, attends, il y avait Atlantis, et on avait un autre comme ça aussi. Merde, comment il s'appelait? Putain, je sais plus. Atlantis... Je sais plus. Il y en avait d'autres, des point and click comme ça, et... Égypte, je m'en souviens. Et d'ailleurs, je me suis dit qu'il fallait que je me le refasse, parce que je m'en souviens plus du tout, quoi. Et j'avais tellement aimé. Et tu te baladais vraiment et tout, t'avais des personnages avec qui tu dialoguais, une petite enquête et tout, c'est vrai que c'était vraiment bien. Bon, du coup, on va laisser tomber pour le temple, hein, ça a l'air d'être assez chaud. On va mettre un marqueur, on va aller ici, si j'y arrive. Attends, c'est pas ça que... Attends. Voilà. On va voir si on peut grimper. Je pense que oui, parce qu'apparemment il disait que sur les interviews qu'on pouvait grimper vraiment quasiment partout. Donc on va faire ça. Je fais une pause là. Et puis bah voilà, on se retrouve dans 5-10 minutes quoi. Pour la suite. Allez, bisous bisous.